Notre priorité aujourd'hui, en termes de travaux, aujourd'hui on est content de livrer par exemple le supermarché Carrefour, donc PS, la deuxième sur la route de Merjabil, qui va être livré sous un mois. Bon, ça démontre quand même notre savoir-faire et la confiance du secteur, parce que bon, ce n'est pas des gens qu'on connaît particulièrement, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de développer avec des synergies avec des entreprises, tant locales ou à l'étrangère, des nouveaux métiers. Nous, on a eu notre premier développement dans le secteur de la construction des bâtiments, des ouvrages d'immeubles. Aujourd'hui, dans le deuxième temps, on aborde un développement dans le secteur du génie civil, des routes. On est intéressé par le développement en immobilier, le développement dans le secteur de l'eau et l'énergie. Parce que tous ces secteurs-là sont totalement en synergie avec le secteur du bâtiment travaux publics. Je dis, quand on parle des ouvrages de l'eau, on parle donc de châteaux d'eau, on parle donc des ouvrages de génie civil et des ouvrages hydrauliques. Donc, on cherche des joint ventures. Quand on parle d'énergie, c'est pareil, il y a du génie civil toujours et il y a de l'énergie. Et quand on parle de. Voilà. Donc, on est totalement ouvert par des. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a de gros besoins du secteur de l'eau, de gros besoins du secteur de l'énergie. Et donc, on veut y participer. Donc, par des joint ventures avec des entreprises qui ont de grosses références dans ces secteurs-là.